Attention. C'est parti. Même c'est chose. Parti, la même chose, pareil, copier-coller. Sylvain Pussier devant, Clémentine Lost derrière, Gérald de Fontanella à la troisième place, Enzoïde quatrième. Et j'ai l'impression que tout le monde est parti. Attends, je me penche quand même. Oui, est-ce que aussi tout le monde est parti? Et Sylvain Pussier à la chasse maintenant au record du tour. La voiture est rentrée. Hein, celle d'Aurélien Panis est rentrée. C'est pas grave. Premier virage. On se touche un petit peu là entre Enzoïde et Gérald de Fontanelle, m'a-t-il semblé. Et Sylvain Pussier, pendant ce temps-là, a pris la tête, suivi comme son ombre par Clémentine Lost. Nous arrivons dans cette fameuse épingle du bas du circuit. Dans quelques dizaines de mètres maintenant, où il y a une possibilité de doubler à cet endroit. Mais bon, dans le je ne pense pas qu'on se fasse la guerre. On ne va pas s'attaquer. Allez. Par contre, on va voir ce que fait Gérald Fontanelle. Bon, Gérald Fontanelle, il va essayer de suivre Clémentine Lost pour l'instant. Il attendra simplement, je pense, si elle fait une erreur. Allez, premier tour. Normalement, Sylvain Pussier devrait prendre le record du tour. Voilà qui est fait, c'est normal. C'est lui qui s'est lancé le plus rapidement. Et il y a la petite seconde, vous voyez, d'écart traditionnel entre la première et la deuxième voiture. Donc Sylvain Pussier en tête, Clémentine Lost deuxième à 1 seconde 3. Gérald Fontanelle un peu plus loin, Enzoïde et Nathan Biel, puisqu'ils ne sont plus que 5 dans cette super finale. Et on voit Enzoïde qui a légèrement touché au côté droit de la voiture et qui est en train de balayer la piste dans tous les sens pour laisser une piste propre tout à l'heure à Christophe Ferrier qui partira dans la finale de la catégorie Elite Pro. Pour l'instant, Sylvain Pussier est toujours en tête. Mais il a fait le bon coup, hein. Il gagne un point supplémentaire, même deux, puisqu'il empoche pour l'instant le record du tour de cette super finale de la catégorie élite. Et pour l'instant, Clémentine Lost tient le rythme pour aller chercher la victoire dans cette première journée. Voilà, et on voit bien que ça, c'est pas simple, hein, cette partie-là. Ouais. Même après le travail effectué par les commissaires et puis surtout les managers de la piste. Voilà. Oui. Allez, trois tours, c'est... encore deux tours, pardon. Et c'est compliqué, on entend, nous qui avons les voitures qui nous passent à quelques mètres là de nous. Ah, on entend les clous. Hein. Oui, puis on entend aussi les carrosseries qui frottent un petit peu par moment. C'est l'avantage de l'électrique où on entend très bien les carrosseries qui frottent par terre ou même quelquefois. Oh, attention là, Gérald de Fontanelle, de pas trop aller à l'extérieur côté gauche. Parce qu'il y a un petit bout de truc qui dépasse là et j'ai l'impression que ça remet les voitures dans l'autre sens. Alors que Sylvain Pussier est en train d'étaler. Mais attention, c'est Nathan Biel qui a réussi le meilleur tour. 51.3 dans le tour précédent pour Nathan Biel. Attention, il faut que Sylvain Pussier reparte à l'attaque pour aller tenter d'aller chercher le point supplémentaire du record du tour. Hop dans cette là. Oui, ça s'ouvre énormément là, oui. Pour Gérald de Fontanelle à l'entrée de l'épingle motule. Et Sylvain Pussier reprend le record du tour. 51.08. Mais c'est sorti 50. Fort là. Il est sorti un peu large. Hein. 50.8 pour Sylvain Pussier. Il a pris le record du tour. Mais Clémentine ne lâche rien. Elle a toujours le même écart avec la voiture du boss. Les deux voitures du team Pussier en formation là pour une place de 1. Oh, Clémentine, tu fais l'erreur. Oh non, Clémentine, c'est pas vrai. Non. Allez Clémentine, marche arrière, hop, vite. Hop. Allez, repars. Repars Clémentine, laisse pas passer tout le monde, repars. Oh là. Non, mais ça va aller quand même, ça va aller, elle n'aura pas perdu suffisamment pour perdre sa victoire dans cette première journée. Elle nous fera des frayeurs jusqu'au bout. Hein. Bah, jusqu'au bout, Clémentine va nous faire prendre des palpitations cardiaques. Hein. Là, je pense Du coup, Gérald Fontanelle 2. Eh bien oui, Gérald Fontanelle, il fait la bonne OP là. Ouais. C'est ce qu'il attendait, Gérald, la petite faute. Donc nous entrons dans le dernier tour. Sylvain Pussier est en tête et Gérald Fontanelle était dans la deuxième place. On devrait retrouver Enzo ou troisième, Nathan Biel 4 et Clémentine Lost 5e. Bah oui, hélas. Mais je pense qu'elle va garder quand même sa place de vainqueur. Enfin, on attendra l'officialisation des résultats, mais je pense que ça ne va pas l'empêcher de remporter cette première journée. C'est un peu large là, pour Emmanuel Moindel, pour Gérald Fontanelle à la sortie. Là, ça glisse beaucoup. Hein. Ben oui, là les conditions rechangent à nouveau. Et Clémentine Lost, record du tour. Voilà, c'est la réponse. Ah, ça change à tous les tours. Eh oui. Ça change à tous les tours, ce record du tour. Et Clémentine Lost, dans l'avant-dernier tour, a réussi à prendre le record du tour juste avant de faire sa bêtise. Et le drapeau à damier va s'agiter dans quelques secondes sur la victoire de Sylvain Pussier. Sylvain Pussier devant Gérald de Fontanelle. Alors, on va attendre l'officialisation des résultats quand même. Donc Sylvain Pussier remporte cette super finale, Gérald de Fontanelle à moins d'une seconde et à 7/10. Ensuite, on va avoir Enzoïde. Exactement. Normalement. Et voilà, Enzo. Nathan Biel et Clémentine Lost. Clémentine Lost. Voilà. Bon, ben c'est bon. Et Enzoïde, un tour. Donc normalement, on va nous afficher, je pense, le classement de cette journée.
Mais si j'ai pas fait des erreurs sur mon boulier, Clémentine Loss devrait quand même s'imposer. Ouh là là. Ah oui, bah on a compris. Oui, non, non, c'est pas un tour de plus. Hein. Enzo Hyde a fait... Ouh là là. Il a fait un deuxième avant, Enzo.